en vos différentes qualités et titres. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à tous. Je suis très très heureux d'être là aujourd'hui pour partager avec vous ces moments. Mais surtout, je suis là parce que j'ai retrouvé en moi les principes que porte la Croix-Rouge. Et donc, c'était pour moi une opportunité de vous témoigner à quel point je suis prêt, à quel point je suis tout oui pour vous accompagner dans la réalisation de vos missions. Parce que depuis ma plus tendre enfance, mes parents m'ont inculqué le sens du partage, mais aussi d'être un homme au service de l'autre et de tous les autres. Donc, vous devinez que c'est une opportunité inestimable pour moi aujourd'hui de travailler dans ce sens. Donc, c'est naturellement dans ce sens que je témoigne aujourd'hui à M. Astakosek et à tous les membres de la Croix-Rouge mon acceptation d'être votre ambassadeur de bonne volonté. J'accepte avec enthousiasme et avec honneur. Vous savez que la Croix-Rouge a un passé des plus prestigieux de toutes les organisations internationales. La Croix-Rouge est certainement l'une des organisations qui a un passé des plus prestigieux. Donc avec plus de 100 années d'existence. Donc aujourd'hui, faire partie de votre famille en qualité d'ambassadeur est est un plaisir, est un immense honneur pour moi. Donc je ne saurais tarder. En tout cas, je ne vais pas être long pour ce discours. J'ai juste un mot pour la jeunesse aujourd'hui qui est là. Et bien entendu, la jeunesse qui nous suivra à travers les vidéos. Pour vous dire que nous n'avons que le Sénégal. Personne ne viendra construire le Sénégal à notre place. Ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Guinéens, ce ne sont pas les Marocains ni les Tunisiens. Le Sénégal nous appartient. Nous avons notre mot à dire. Nous devons faire valoir nos talents intellectuels. Moi, j'ai foi en la jeunesse sénégalaise parce que je sais que la jeunesse sénégalaise fait partie des jeunesses les plus intelligentes au monde. La jeunesse sénégalaise est une jeunesse brave, une jeunesse loyale. Donc je suis sûr que si on vous accompagne, si on vous pousse un petit peu, vous allez faire des merveilles. J'ai fait toutes mes études au Sénégal. Donc si vous rencontrez des gens comme M. Astakosek et j'en passe, il faut en profiter parce que ce sont des sources d'inspiration intarissables. Ce sont des gens vers lesquels vous devez converger. Hein? Ils ont des choses à partager avec vous. Et aujourd'hui, tout l'honneur aujourd'hui que Ismaël a est certainement dû à 70% à mon passage à BBC, au British Business College. Cette rigueur que vous nous avez enseignée, M. Sek, ce prestige qu'on doit avoir, cet honneur, cette fierté qu'on doit avoir d'être Sénégalais, ce patriotisme, ce sens des détails, la perfection. Parce que ça fait la différence aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est bien la rigueur, la ponctualité, l'assiduité. C'est bien grâce à vous que j'ai pu collecter toutes ces bonnes habitudes que j'incarne aujourd'hui. Donc, félicitations à vous surtout. Donc, je ne serai pas long. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir pris part à cet événement. Je vous souhaite le meilleur et ensemble, nous allons relever les défis. Nous allons faire bouger les lignes. Et nous allons mener la Croix-Rouge de Bel Air, en tout cas de Anne Bel Air, au plus haut point, pour le plus grand bonheur des populations. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.